Bonjour tout le monde, aujourd'hui ça y est, c'est le départ pour la Soufrière. Là on vient de finir de déjeuner. J'attends que Hugo finisse de se préparer et voilà, comme ça on décolle, on va monter directement en haut. J'espère que ça va pas être compliqué parce que, enfin pas compliqué, parce qu'en fait il y a 2 jours de ça je me suis ouvert le pied avec un corail en fait tout simplement. Et du coup ça me fait super mal, ça me lance, ça me fait des boum 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 dedans en fait. Voilà, donc on va essayer, on va faire ce qu'on peut et j'espère qu'on va réussir à monter tout en haut. Bon ben ça y est, on s'est garé au parking, donc c'est pas le parking même parce que il est rempli à cette heure-ci. Là il était 9h moins 15 quand on est arrivé et il y avait déjà du monde. Donc du coup on s'est garé un peu plus bas. C'était prévisible hein, qu'il y avait du monde. Il faut commencer tôt les journées. C'est vrai, je vous conseille d'y aller vers les 7h. Deuxième truc, prendre un kawé ou un pull parce qu'il fait beaucoup plus froid en haut. Ce matin je m'étais rechangée, j'avais mis un t-shirt en pensant que j'allais mourir de chaud en marchant. Et ben en fait il fait froid. Du coup voilà, donc j'ai pris le kawé du haut qu'il y avait dans le coffre. Là on va faire attention, il y a un peu de boue. Et des bonnes chaussures de marche. Donc pour monter je crois qu'il faut à peu près 1h40 à 2h, ça dépend le niveau de chacun. C'est-à-dire, moi, je mettrais plus 2h30 à monter que Hugo. Ouais, 3h. Voilà, super, 3h. Y aller en fait, on voit même rien, c'est blanc. Alors chef, on continue ou on descend? On continue un tout petit peu, on est presque. Ouais. Ah, va continuer. Voilà, arrivé au premier point. Normalement ici il y a une vue dégagée mais c'est tout blanc. Non, il y a pas du tout rempli. Donc vu qu'il y a 15 de montée, on va aller au panneau. Je pense que ça sert à rien, on va redescendre. On verra absolument rien en haut. Et c'est pour être pendant encore 1h15 à 1h15 au tour. Saint-Marie, on dirait là. Ça ira. Bon ben ça y est, on est rentré au logement. Donc là il fait bon, il n'y a pas de pluie et on a le ciel bleu. Voilà, contrairement du coup sur la Soufrière, en fait, je pense que tous les nuages sont attirés par la montagne, tout simplement. C'est pas de chance parce qu'il y a 3 jours de ça, elle était dégagée, donc voilà. Sauf que nous, on était sur grande terre, on n'a pas pu le faire. Donc là, on s'est changé, on va essayer de trouver quelque chose à faire pour cet après-midi et on se retrouve juste après. Stop, c'est bon. You need to own the track. Hey,
jusqu'à juste derrière là. Un super arc-en-ciel. C'est magnifique. On a un petit squatter. Mon petit squatter. Et là, du coup, on va commander pizza pour ce soir. On a trop la dalle. Donc du coup, là, on attend que 18h pour aller commander. On va voir un peu ce qu'il y a. On va prendre comme d'habitude à la crème fraîche. Ça y est, la pizza. Eh ben, on a attendu, quoi. Prime avec.